à tous et à toutes. Oui, une petite réalisation en quelques minutes. Oui, c'est possible. Suivez-moi. Eh oui, couvrir vos boîtes de mouchoirs familiales. Très simple. À partir de recyclage, je vais prendre le bas d'un pantalon et vous allez couper un carré de 38 cm sur 38. Coupez une fois dans le tissu et un autre carré pour la doublure. Placez les deux morceaux endroit contre endroit. Épinglez tout autour du carré. Piquez la valeur du pied presseur en laissant une ouverture de 8 cm de tout remettre à l'endroit. Toutes les coutures commencent par un point d'arrêt et finissent par un point d'arrêt. Coupez les angles, retournez à l'endroit à l'aide d'une baguette ou autre, bien retournez les angles, repassez tout autour du carré, épinglez la partie ouverte, faire une surpiqûre de la valeur du pied de biche tout autour du carré. De l'angle ici, marqué par une épingle, à 10 cm du bord. Vous faites la même chose de l'autre côté, à l'angle en face. Donc 10 cm de là à là, 10 cm de là à là, et vous faites la même chose pour l'autre angle opposé, hein. Prenez un ruban de votre choix, pliez 1 cm. Venez au bord de la mesure de 10 cm, positionnez, épinglez, venir à l'autre extrémité, prévoir 1 cm, plier, bien épingler tout autour avant de piquer. Faites la même chose pour l'autre angle et piquez. Et voilà, vous allez obtenir ce résultat. Épinglez les deux angles. Faites un point d'arrêt ici et la même chose de l'autre côté. Voilà, ça vous donnera ça. Retournez votre pièce. À 2 cm de l'angle, posez un bouton. Utilisez les boutons à pied de préférence. Donnez un coup de fer. Introduire votre boîte, retourner l'angle boutonné, introduire dans l'ouverture, pousser votre boîte au fond, venir et faire la même chose pour l'autre extrémité, bien placer vos angles, et voilà, votre boîte est faite. Comme je vous l'avais dit au départ, moi j'avais pris le bas d'un jean, ce qui fait que vous voyez cette couture ici et ici. Et moi, je trouve ça justement original. Et voilà, vous l'avez fait. Vous avez vu que c'était possible. En attendant, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous.